La petite ville avait des maisons toutes pareilles, mais la leur était située un peu en dehors. Le pays tout autour était vert et boisé. Le soir, sa mère et lui se promenaient par-dessus, par-dessous. Tanguy était heureux. Il avait une maison, c'était la paix, il allait à l'école, il avait un copain et un chien. Le chien s'appelait Tom. Tanguy l'avait trouvé abandonné sur la route. C'était un chien méfiant et méchant avec les enfants, parce que ceux-ci l'avaient blessé. Des voyous lui avaient, en effet, attaché à la queue une boîte de conserve remplie de poutre. Le pauvre chien avait été blessé. Depuis, il montrait les dents aux enfants. Tanguy s'était proposé de s'en faire un ami. Chaque jour, il offrait un morceau de sucre à son protégé. Le chien, au début, n'en voulait pas. Il fallait le déposer à terre et s'éloigner. Alors, l'animal rampait, s'en emparait et s'enfuyait aussitôt pour le roquer dans un coin. Mais petit à petit, Tom prit confiance en Tanguy. Il alla bientôt jusqu'à se laisser caresser par l'enfant. Et, un soir, il le suivit. Tanguy le fit entrer chez lui, supplia sa mère de le laisser le garder, et celle-ci le lui accorda. L'enfant alors baigna son chien, lui acheta un beau collier et lui donna à manger. Tous les jours, Tom allait attendre Tanguy à la sortie de l'école. Au début, ses camarades se moquaient du chien parce qu'il était maigre et boiteux. Mais bientôt, il devint un chien comme les autres parce qu'il avait trouvé un foyer et mangé à sa faim. Tom était fidèle à Tanguy. Il sautait de joie lorsque son maître rentrait.